Le fantôme. J'ai une secrète track en mini prix. Oh, on va voir. Alors, du coup, le Ghost Phantom, qu'est-ce que c'est? C'est un fantôme deck où on peut avoir des cartes spectrales dans le shop, il me semble. C'est ça, hein. Je sais pas. Mais surtout, on part avec une carte maléfice qui permet d'ajouter Polychrome, un joker aléatoire. Soit le premier joker qu'on va acheter, en fait, puisque ça détruit le reste. Au secours. Attends, mais y a pas le son du jeu. Ouais. Merde, j'ai quitté mon run. Oh, je suis éclaté. Attends. Est-ce que j'ai quand même un run? Super. Attends. Ça gagne ça? Ça gagne pas, hein. Terrible. Il nous manque combien de points? Si je fais ça, ça fait combien de points? Ça fait 30 fois 2, 60, ça gagne. Allez, on va se concentrer. J'ai hâte hein, de découvrir un peu la F0 après, mais je voulais pas partir direct sur F0 parce que je me suis dit... Là, il est 20h40. Ma caméra est trop basse, du coup, elle se ment. Là, il est 20h40. C'est à 22h le lobby du jeudi. Si je joue 1h20 avant, je vais être détruit avant même que ça commence. Donc, ça vaut pas le coup. Et en plus, comme ça, on fait un peu de sport puisqu'on est debout quand on joue à Balatro. Donc ça, c'est cool. Je suis debout, ouais, regarde. Trop bien, hein. On adore être debout. Wouhou, je suis en forme. Encaissé. Alors. C'est marrant, ça. Mais le problème, c'est est-ce que c'est rentable? C'est propre, t'as vu ça hein? On est bien, hein. J'ai allumé une lumière pour la Pokéball juste là. Mais on la voit pas. Terrible. Le problème, c'est que ça, c'est... ça peut être marrant, même pour gagner des sous. Est-ce qu'on part sur le tarot, on part sur ça juste pour gagner 4$ chaque manche? En vrai, partir sur un 4$ chaque manche, ça me semble propre, hein. Puis si on arrive à dupliquer les 9 après, on verra. Le club, tous les trèfles, on s'en fout. On a une couleur ici, on a une petite couleur, mais elle finit pas le niveau, mais c'est pas très grave. On va essayer de two-shot le niveau. 300 points. On peut avoir une couleur en cœur. On peut avoir une couleur en cœur. Merci. J'espère que ça vous va l'OST de Mario Wonders. Et du coup, je gagne 4$ en plus? Oh oui, c'est propre. Après, est-ce que j'ai envie de ex lui? Je sais pas. C'est pas prévu pour l'instant. Si je peux trouver des 9 en plus, ça pourrait être bien, quoi. Moon, trèfle, c'est pas genre le boss, le trèfle? Si, mais ça veut dire qu'on tombera pas dessus après? Vas-y, je prends le risque. Est-ce que j'ai vraiment joué couleur? Je sais pas, j'ai quoi là? Pierre? Or. Et il y a un défi sur la carte or, j'ai vu tout à l'heure, jouer jouer que des cartes d'or. Jouer 5 cartes d'or dans une main. Donc je vais transformer le 9 et on va essayer de faire un jeu autour du 9. Vas-y. On va voir. On va voir. Vas-y, j'active le X. Voilà. Je suis un malade. On a une suite, hein. On a une suite qui est intéressante. Vas-y, la suite, c'est bien. Ça fait 426 points. Eh, je suis trop en forme. C'est faux. On peut avoir un fou, là. Ouais, mais le jeu, s'il te plaît, arrête de me... manquer de respect. Ça fait combien, le full? Ça fait 14... 44 fois 3... 120 plus 12... 132, ça suffit pas, hein. Ça suffit pas, mais j'ai pas le choix. Ouais, c'est Mario Wonders, bien sûr. Banger, hein. Banger. Ah mais non, c'est vrai que j'ai ça. Oh oui, le 9e ciel. Oh oui. Et en plus, j'ai la carte d'or en main. Petit méga bouffon pack. Après, les jokers de départ. On pourrait partir sur un deck sans figure. Mais je le sens pas trop pour l'instant. Vu ce qu'on a... une empresse pour améliorer ma main, peut-être. On va prendre le méga bouffon pack. On va voir ce qui sort. Holographique, chaque valet de... Ça, c'est pas fort. Hein. 80 jetons pour la couleur, ça peut être intéressant. Suite et couleur en 4 cartes. Pour l'instant, on n'a rien dans le jeu, donc je pense que je vais prendre ça et ça. On verra ce que ça donnait. Je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Les 9, on les passe en multi. Très bien. Créer deux cartes de tarot. Hop.
On a un magicien pour la carte chance. Et crée un joker aléatoire. Vas-y, donne. Bon, ça, c'est pas ouf. On pourra le vendre. On va le garder pour l'instant. Et on le vendra au besoin. Et la carte chance, c'est bien. Bon, ça, en vrai, c'est Captain Toad. Mais c'est comme Mario, c'est dans Mario Wonders. Donc, ça compte. Alors. Je sais pas ce qui se passe dans ce deck. Il a l'air pas ouf. On a une suite. Même si on préfère jouer couleur actuellement. Bon, dès qu'on rappelle, il n'y a rien pour l'instant. C'est ça, il n'y a rien. On joue les 9, en fait. Si je passais mon roi de cœur en chance. Jamais. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Ah ouais, ça passe. Et Mario Sunshine aussi. Ouais, bah il y a beaucoup de reprises hein, dans Mario Wonders. Après. Je vais voir. C'est possible. Ah mais le 9ème... Par contre, le 9ème nous met bien, mais en même temps... Oula. Fin de joker, fixe l'argent à 0. Détruit 5 cartes aléatoires, gagner 20$. En vrai... On va aller chercher un 9. On l'a pas... On a un as de cœur, on a... On va le prendre. Vas-y, envoie. C'est fort, mais... C'est dur à jouer. On n'a pas de jeu pour jouer ça pour l'instant en fait. J'ai une couleur. C'est tout ? Oula. On va pas détruire de cartes là mon pote. Hein. Je te le dis. Vas-y, on voit un 10. On voit pas de 10. Hop. Bon, ça devrait passer, ça. Hein. Ouais. Immolate, on le fait pas de suite, du coup. J'ai pas de sous, c'est chiant. Mais en vrai, on s'en fout, puisque je gagne tellement de thunes. Oh oui. Juste 10 si on gagne une couleur. Ah oui, c'est vrai que j'ai amélioré ça, du coup. C'est incroyable. Peut-être que je pourrais acheter des jokers et les revendre en boucle. Vas-y. Regarde-moi. Ermite, double argent. Ouf. Carte chance ou Well of Fortune. C'est dommage. Elle est un peu forte la musique. Commencer sans aucune défausse. J'espère que je vous ai régalé. Bah il va me falloir du pic, mon pote. Merci. Ah, c'est dommage. Allez, est-ce que ça gagne ça? Ah, mais je fais la couleur à 4. J'ai oublié que je pouvais faire ça. Mais attends, mais faut que je joue 15 flush du. Oh. J'avais oublié cette carte. Attends. J'ai combien de thunes là? Bref. Encore du trèfle. Augmenter la valeur de 2 cartes. Créer 2 planètes, créer 2 cartes de tarot. Oh, les thunes, hein. Les thunes. Je sais pas ce que je joue. Je joue... Le jeu n'a rien. Vas-y, envoie. Envoie. Donne-moi du plaisir. Allez. Hein? La boss blind, pas de type de main répétée. C'est vrai. Mais du coup... Bah du coup, il y a rien en fait. Ah. On a un brelan. Bah, du coup, il y a rien du tout. Oh, ça fait des points, ça? Je sais pas. Et du coup, ça, c'est une couleur? Bon, ça aussi. Bon, c'est pas grave. Et ma game, elle est fatiguée. les sous. 4$ à la fin de la manche. C'est plus rentable. Limite d'avoir cette carte-là. Ok. Multi plus 20, non, on s'en fout. Vas-y, au moins un 9.
Pour demander patin. Tu peux du carré, ça serait trop bien, mais on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas. Allez, on est parti pour la grosse blinde à 4 200 $. Pour l'instant, le deck ne mène à rien. En tout cas, c'est l'information que vous pouvez avoir actuellement. On va faire la couleur. Hein. Est-ce que ça gagne? Non. Ouh. J'achète le 9 doré. Oh. Je peux faire ça aussi. J'aimerais bien mettre le roi pour gagner des thunes, mais ça, ça rapporte 3 thunes 100%. Donc en vrai, cette main-là, elle est craquée. Elle est complètement broken. Ok. J'ai pas assez de 9. Un plus 15 de mule, c'est plus rentable que ça en fait. Après. On se fait pas chier avec ça. Ok. Allez, un petit pa- 2 packs Arcana Mega ? Ça vaut le coup, hein. En cœur, en tra- attends, on a fait quoi en couleur ? On a rien. On a un peu plus de piques. Mais bon. On n'a pas de 2 plus 1 ? Non. On a rien, hein. Est-ce que j'ai envie de trèfle ? Ou de cœur ? Je sais pas, hein. Enfin, une carte acier. Une carte acier, c'est pas perdu. Et allons voir ce qui est ici. Strength. J'ai pas de 8. Après, strength sur ça, c'est bien. Hein. Ça me fait plus de valet. J'oublie l'argent. Ou pas sur une carte chance. Doublons l'argent. On aime bien l'argent. Allez, donne-moi un truc là. En plus, on est sur un truc qui est plus 50 en brillant. La carte chance avec succès aussi, je la veux. Après, ça aussi, c'est fort. Hein. Mais bon, à la place de quoi? Parce que là, je gagnerais 1 $ à chaque fin, puis 3, puis là, il gagne tous les 5 $ plus 2. Est-ce que c'est rentable de perdre 15? De multi. Pour gagner sur le long terme, je pense pas. Pas de type de main répétée, on rappelle. Non, la couleur elle one shot, même la suite elle one shot en vrai. Ah oui. Ouais, ok. Oh oui. Oh oui, 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 d'accord. Oui, oui. 18 $. Vas-y, régale-moi. Mais du coup, je pars sur quoi, là? Mon deck, il y a quoi dedans? J'ai rien dans mon deck qui décolle, hein. En pique, je m'en fous. On perd un peu de thune. Puis je le mets à x2 juste pour être tranquille. On verra après. Pas de carreau pour après, ok, très bien. Peut-être qu'on va se débarrasser de lui à un moment. Au final, on n'a pas grand-chose qui décolle sur ça. Ok, on a une couleur. Couleur qui devrait performer, hein. Ah oui, d'accord. On est bien, hein. En vrai, ça va. Bon, feu de camp, il va falloir jouer avec les thunes, quoi. C'est un peu con. J'ai envie, hein. J'ai envie de partir sur des carrés et des trucs, mais... Trop random, trop random. Et en plus, on a une carte en moins en main. Ermite. Merde, j'ai... Pas fait gaffe. Elle a qu'un flush. Ça sert à rien de l'améliorer. Allez, on y va, on veut de l'argent. Ok. Allez, régale-moi. Régale-moi.
Il me régale pas. Après, on s'en fout, en fait. Ok. Le jeu joue tout seul pour l'instant, c'est pas moi qui joue. J'ai pas de cerveau, mon cerveau est sur off. Mais on génère de l'argent, et ça, c'est bon. On génère de l'argent. Après, est-ce qu'on veut générer de l'argent? Je sais pas. Hein. On veut des neufs. Des dames aussi, non? On a 6 dames. On aime bien les dames. On est très ouvert aux dames. Hein. Aux dames et aux neufs. Hein. On peut pas être sur des foules, des carrés, peut-être. On peut l'utiliser, je pense, lui. On peut toujours servir. Carreau, on s'en fout. Ça sert à rien de vendre maintenant, en fait, genre je garde les thunes. Ok, les cartes carreaux perdent leur pouvoir, super. Ça passe, ça? Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, j'ai pas trop à jouer. On génère des thunes. J'aime les thunes. On pourra dégager lui. Hein. Voilà, on dégage lui. Point 5. Lui, pour l'instant, il rapporte rien. J'ai pas activé mes cartes chance. Il faudrait plus de cartes chance. Hein. Vas-y, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Régale-moi. Trèfle, multi, bonus, planète, pierre. Ah, super. Bah super. Et lui, il est déjà à égalité avec celle qu'on avait tout à l'heure. Donc c'était rentable. Quoi ? Régale-nous. Peut-être qu'on fera des changements. Hein. Ah, on n'a pas tant de thunes que ça pour l'instant. Est-ce que je dégagerai pas ça ? Non, ça génère trop de thunes. Vas-y, donne-moi un 9. Bon. Bon là, c'est parce qu'il est lucky. Bah, c'est gratuit, hein. Vas-y. C'est pas ouf, ça. Excuse-moi, hein, le jeu. Hein. Beaucoup de respect, hein, mais voilà. Ça, c'est bien. C'est très, très bien. Là, ça gagne. En plus, elle est niveau 3. Ouais, 30 000. Hein. 30 000, 30 000. La run, elle est pas encore gagnée. Mais bon. Il me sert à rien, lui. J'arrive pas à l'utiliser. Désolé, mon ref. J'ai des dames qui jouent, ça va être intéressant. Après, ça, c'est... Ça, c'est pas mal, mais il faut pouvoir le jouer. Carte à jouer en mode jeu en plus, j'ai pas. Hein. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas du tout ce que je joue. Ah! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, la meilleure musique de Wonder, hein, je monte le son. Même c'est qu'attends. Je suis très irrégulier là, sur ce que je fais. On a fait que deux foules, un carré, cette couleur. De... Non, on joue pas. Ça, on s'en fout. Ça, en vrai, on s'en fout. Parce que lui, il nous rapporte 6$ qui rapporte plus de multi. Lui, il gagnera pas de multi. Parce qu'on jouera jamais 2, 3, 5, 8. Ça, on s'en fout. Donc, en vrai, c'est lui qui nous convient. Mais après, lui, on le met à la place de qui? Lui, on peut pas s'en passer. Il est déjà à 4x8, 32. Lui, pour l'instant, il est pas ouf, mais il est ok. Eh, j'ai dit, je voulais pas réfléchir, je suis KO. On part sur F0 après, vous inquiétez pas. Euh...
après il est polychrome hein. Mais non bon. Ah les As quand même hein. Les As on en a combien? On en a 4. J'ai perdu un As. Ah oui, je l'ai pété tout à l'heure. C'est pas rentable ça en fait. Le maître des cartes, j'en ferai rien, on est d'accord. À la place de lui peut-être. À la place de lui. C'est parce que je suis joueur. Hein. J'ai 6, 9, 7 dames, j'aurai jamais de carré. La paire plus 8, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Allez. On verra après ce qu'on fera. Pour l'instant, on est tranquille. Ah, mais ça passe? D'accord. J'ai trop de tunas, hein. Ermite, la force. La force mène à rien. Hein. Ou alors je cherche des as. J'ai pas beaucoup de rois. C'est pour mener à quoi? À rien. Augmenter la valeur de deux cartes. Une carte or, ça qu'on veut, c'est des cartes or à la base. Cherchons des cartes or. Ça coûtera moins cher. Aucun regret. Ok. Il me harcèle hein. 22$. Bon, j'ai perdu un peu de thunes dans cette histoire. Oh, j'ai un brelon là. Ok, bon, on va le jouer. Bon, ça win pas, mais normal. Hein. Ce qu'on veut, c'est de l'or. Faut que je... En fait, faut que je joue une main avec 5 cartes or pour le défi qu'on veut débloquer. Ça n'arrivera jamais, on est d'accord. Ah, mais ça finit? Bon, ça fait de l'argent, on prend. En fait, ce qu'on veut, c'est plus de cartes or. Une carte assis, on prend toujours. La couleur, on la joue pas tant que ça, mais bon, ils ok. Méga célestial. Pff, on ouvre. Regarde, on ouvre ça, là. Niveau 4 pour la couleur, et hop! Petit carré au cas où. Au cas où! Au cas où. Allez, renouvelle-moi ça, là. J'ai perdu, mais je vais acheter lui d'abord. C'est pas grave. Donne-moi un 9. Ou 3 une copie du badge. On sait jamais. C'est quoi cette merde? Ok, ce qu'on va faire. On va jouer des paires. 8000. Ensuite la paire de dames. Elle gagne 50 000 points. Voilà. Tranquille. Un emplacement de consommable en plus. Vas-y, je vais le prendre quand même. Comme ça, on fait ça. On va juste les prendre. On va tous les faire. Standard. Donne-moi un 9. Ouais, ou une dame, c'est bien. En fait, c'est du full, du carré. Ouais, vas-y. Eh, je sais pas ce que je fais. Allez, vas-y. Il y a une super grosse blinde en boss. Ça va pas être évident. Ah, si j'améliore pas mon jeu, ça va pas être évident. Carré, ça finit ou pas? Ça finit pas, hein. Du coup, on va faire des paires.
Ah, ça va plus finir. Hop, une paire. Ok. Après, lui, il a x1. L'autre camp, il faudrait l'améliorer. On améliore le carré. Je sais pas ce que je fais. Eh, c'est quelque chose, les gars, de pas savoir ce qu'on fait comme ça. Hein. Un saut d'or à une carte, ok. Détruire 5 cartes, il est $20, ok. Toutes les cartes ont une couleur aléatoire unique. Marrant. Ajoute un saut violet à une carte sélectionnée. Une carte de tarot quand on la défausse. Vas-y. Ça me va, ça. Il veut pas me donner plus de cartes de tarot, d'ailleurs. Forcément la prendre, en fait. C'est le truc. On est obligé de la prendre. Je le mets sur lequel. En vrai, je vais vendre ça et je vais oublier ça. Ce sera plus safe, hein. Ouais, vas-y. $40, c'est pas beaucoup. Il me faut des thunes. Il me faut des thunes. Le boss, il va être dur à la fin. J'ai un full. C'est tout. Un peu déçu. Touti. Touloutou. Pour l'argent. $18. Et là, on a...
Est-ce qu'il va me régaler le jeu? Oh. Oh, chiwi. Incroyable. Oh, l'argent, il me sert plus à rien cette carte. Ne regarde pas comme ça. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Engedman. Bon, péter qu'une, mais c'est pas grave. Bouffon pack. Peut-être qu'il faut que je remplace ça, je pense. J'ai pas beaucoup de cœur, hein, c'est ça le problème. Les paires, on s'en fout. En vrai, ça peut être fort, ça, mais j'ai pas assez de cœur, je pense. Si, en dame, j'en ai deux. En vrai, c'est plus rentable que ça, je pense. Je pense que ça l'est plus. C'est quoi le boss? Mélange les cartes. Ah. Ça peut me niquer, hein. Ça peut me détruire. Un saut or. Hop, hop. Joker négatif, est-ce que j'en ai envie? J'en ai pas besoin, c'est la fin de la run. On n'ira pas loin en infini de toute façon. Ça gagne ça. Largement. En fait le full il gagne avec le... Mais le problème c'est que là on va avoir les cartes qui vont bouger en fait. Déjà vous. Je vais l'utiliser quand même, parce qu'en vrai j'ai besoin de le monter. Ça on peut le prendre. En vrai ça il sert plus à grand chose. Hein. Carte or. Qu'est-ce qu'on vend en carte or? On veut un 9 en carte or. Après si on peut la foutre dans une main de manière random. Y'a rien. Allez. Je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà. Petite strat, hein, vous gardez la carte que vous voulez, vous la posez où vous voulez après. On a un carré.
s'en fout. Il n'y a rien. J'oublie votre argent, je suis à zéro. Ok, on a un carré là. Bon. Hey! Ça gagne ça ou pas? J'y vais comme ça en inconscient, mais ça gagne pas, hein. Et ça, ça gagne là? Oui! Oh la run est nulle, nulle. Je comprends rien à ce que je fais. Regardez, j'ai fait de tout. Donne-moi un 9. Un 9 doré. Ouais, c'est ça aussi, je prends. Manche suivante. Toutes les cartes figure, pas de la bonus. C'est pas grave. C'est maîtrisé. Et vrai, en vrai, c'est dégueulasse. Moi, j'ai un carré, hein. C'est un carré nul, mais c'est un carré. Un carré, 75 000 points. On a un full, là. Voilà. Ça gagne ça ou pas? Oui. Ok. Ça va être chaud, hein. On bat le boss. Je pense pas qu'on ira très loin. Hein. On sait très bien. Gros Michel, super. J'ai envie de ça, je sais pas. Hein. Peut-être. Hein. Oh la double paire en légende. Bon, le problème c'est que lui il est revenu à zéro et j'ai plus rien à vendre quoi. Je pense que ça va pas passer malheureusement. Je pense qu'on meurt à ce moment-là. Faudrait que je touche mes 9. Pour le plaisir au moins. J'aurais pas mes 9 gold, hein, mais on essaye quand même de les avoir. Oui. On en est vraiment là, du coup. Allez. Donne-moi des 9 dorés. Donne-moi des 9 dorés, s'il te plaît. Non. À une carte près. Je le vis trop mal. C'est terrible. Mais bon, on finit la run. Incroyable. J'ai rien compris. C'était un bric-à-brac, c'était un bordel. Mais la run passe quand même. Exceptionnel. Et oui, oui, narque-moi. Allez, des bisous YouTube. J'espère que t'as aimé cette VOD. On est éclaté. Et nous, on va enchaîner sur F0 pour le lobby du jeudi. Il est 21h22. Ça nous laisse une petite demi-heure de chauffe tranquillou. Pour s'enchaîner sur du F0, t'auras la VOD bientôt aussi mon cher YouTube, si elle n'est pas encore sortie, vu que rien ne sort dans l'ordre sur cette chaîne, c'est exceptionnel, des bisous.